Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi ça va. Écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc ce matin j'ai repris des consultations, donc j'en ai envoyé. Donc voilà, je voulais le dire, hein. Donc là, ben, on va regarder un peu au niveau des énergies ce que je peux vous dire, hein. Donc je vais vous faire passer des messages. Donc prenez voilà vraiment ce qui vous parle, hein, ce qui résonne en vous, hein. Donc là, pour moi, il est question de. On va régler une situation. Hein. Vous allez régler quelque chose. C'est comme si vous alliez laisser vous, un vous, un ancien vous, en fait. Vous voyez, quelque chose qui vous correspond plus. Quelque chose, une situation, une vie qui vous. Qui n'est plus en accord avec vous-même, on va partir vers un nouvel envol, une nouvelle direction pour moi. Il y a quelque chose qui. Un nouveau départ, en tout cas. J'ai l'impression que, il va y avoir, on parle de. On va régler quelque chose en lien pour moi avec des papiers. Donc il y a des démarches qui vont arriver. On va régler une situation. On parle aussi pour les célibataires. Là, j'ai une rencontre qui arrive. Et pour moi, cette nouvelle rencontre qui arrive avec une personne. Je vous disais, on va laisser beaucoup de choses derrière. Donc, on parle vraiment d'une rencontre, d'un nouveau départ avec quelqu'un. Et pour moi, il y a beaucoup, il y a des papiers. Après, j'ai l'impression que par rapport à cette rencontre, ça peut être quelqu'un qui va se séparer ou qui s'est séparé. J'ai l'impression. Ouais, moi pour moi c'est ça. C'est quelqu'un ou qui va se séparer ou qui est séparé. Pour moi, il y a. Ouais, je vois un homme. Hein. Je vois un homme. Ouais, pour moi, vraiment, il est question de nouvel envol. J'ai l'impression ouais, d'un lien. Qui va se créer avec cette personne un départ. Un départ avec un homme, pour un homme, avec une femme. Hein. Je vois, il y a comme si avec cet homme, il va, comme s'il allait avoir un soutien, des affinités. J'ai l'impression que. Vraiment soudé. Ouais. On parle vraiment de ça. D'un nouveau départ pour des hommes avec une femme. Hein. Mais après, bon, c'est interchangeable. De toute façon, on parle de ça. Moi, j'ai vraiment un couple qui va se former. Des couples qui vont se former. J'ai l'impression même qu'il va avoir vraiment une rencontre. Pour moi, vous allez voir une personne, vous allez vous rencontrer. Hein. Je vois vraiment quelqu'un venir dans votre direction. Hein. Ah oui. Ah oui. Hein. Ah ouais. Hein. Et vraiment, je pense que vous aurez beaucoup de soutien l'un et l'autre. Vous serez très, très. Vous allez vraiment vous soutenir. Hein. Ouais. Pour moi, il y a vraiment le truc du couple, des démarches. On va laisser des choses. Au passé, hein. Ah oui, hein. Ah oui. J'ai vraiment une situation concernant
Quelqu'un, ouais, vraiment, qui laisse vraiment une relation derrière, un nouveau départ, un nouvel envol, si vous voulez, par rapport à un nouveau couple, hein. Moi, pour moi, on va vraiment se concentrer sur une autre personne, hein. Moi, je vois vraiment, on va travailler sur une nouvelle personne, hein. Alors, soit il y a quelqu'un que vous connaissez pas qui va arriver. Après, peut-être que vous avez quelqu'un dans la tête, hein. Mais pour moi, il y a vraiment ce truc, on choisit une direction quant à une relation. On règle quelque chose qui doit vous perturber et on s'envole vers une nouvelle rencontre, hein. Pour moi, il y a vraiment une décision, hein. Ah oui, hein. Il y a vraiment ce truc. Après, j'ai l'impression que il y a quelqu'un qui va avoir un travail à faire sur lui ou sur elle, parce que j'ai l'impression que c'est comme si on avait du mal à se lancer, une réserve fuyant, une timidité. Ouais. Il y a aussi quelque chose, une décision pour rencontrer cette personne. Il y a quelque chose par rapport par rapport à de l'argent, comme si on attendait quelque chose en lien par rapport au travail pour rencontrer cette personne, hein. Moi, il y a quelqu'un pour moi qui attend quelque chose, une rentrée d'argent pour prendre une décision. C'est en lien avec le travail, hein, pour voir quelqu'un. Bon, une rencontre, hein. On parle aussi que, de toute façon, pour moi, ces personnes, elles sont très, très guidées, hein, très, très guidées dans leur choix, des personnes dans la lumière, voilà, hein. Après, j'ai l'impression qu'au niveau de l'état d'esprit, c'est un peu en dents de scie, hein. Un coup on est bien, un coup on n'est pas bien. J'ai l'impression que ça va être du genre, quand vous allez connaître la personne, je vois quelqu'un très fuyant. Un coup il va être là, un coup hop, il disparaît ou elle disparaît. Il y a ce truc d'hésitation dans une relation. Moi, on me dit ça. Voilà. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Ouais. Mais moi, je vois le changement. Ça évoluera. Mais comme si un coup, hop, il sera là. Un coup, hop, elle sera pas là. Après, c'est interchangeable, hein. Du mal à se décider. Du mal, vous voyez, bon. Toute façon, je vois une signature. Il y a une signature. Il y a aussi des démarches, hein. Il y a quelque chose à régler par rapport à cette relation qui arrive, hein. Il y a des papiers. Un nouveau départ, hein, avec cette personne, hein. J'ai l'impression aussi que il y a quelqu'un qui par rapport au travail et la relation c'est comme si pareil, comme si la personne qui allait arriver dans votre vie allez vous guider dans le travail, vous voyez? J'ai l'impression que ouais, cette personne va vous guider, va vous aider
Au niveau du travail, ouais, moi je vois une femme qui va devoir choisir quelle direction, hein. Quelle direction elle veut ou pas. J'ai l'impression qu'il va avoir aussi un choix, quelque chose à faire en lien avec le travail et une relation qui arrive. J'ai comme là, vous voyez, j'ai deux femmes et j'ai l'impression qu'il y a alors écoutez, hein, ça peut être ces deux femmes qui vont subir ce que je vais vous dire. Après, ça peut être une des deux qui va avoir ce comportement, hein, mais c'est Il y a ce truc, parle de personnes qui sont guidées, qui sont dans la lumière, mais c'est comme si sur, j'ai l'impression que c'est sur ces deux personnes, comme s'il y avait beaucoup de jalousie qui arrivait, de la médisance, hein, des coups bas aussi, hein. Et même par rapport à cet homme, il y a des mauvaises choses, hein, dessus, hein, par rapport à lui, hein, alors ça peut être aussi lui qui fait des choses autour, hein, mais vous savez, hein, voilà, mais ouais, parce qu'on parle qu'il y a un changement qui arrive. Pour moi, il y a un changement. Il y a un changement. Un changement par rapport à des démarches. Hein. Donc, changement, déménagement. Et je sais pas, il y a vraiment ce truc du serpent, vous voyez. Pour moi, il y a des changements, il y a des papiers qui vont arriver. J'ai vraiment le truc du serpent. Hein. Moi, j'ai des déménagements. J'ai aussi quelqu'un par rapport à une signature qui arrive. Il y a quelqu'un pour moi. Ouais, pour moi, il y a des déménagements. Et pour moi, il y a quelqu'un qui. Qui va subir des choses. Hein. Lors de ces changements, il y a une situation. On va pas trop savoir comment gérer tout ça. Ça a l'air un peu compliqué. Ça peut être aussi une personne qui va être jalouse, hein, parce que je vois un homme. Il y a un changement au niveau d'une signature. Ouais. Donc là, j'ai une jeune fille. J'ai l'impression qu'il y a une femme qui va pas apprécier les changements dans votre vie. Hein. Ça peut être par rapport à cet homme. Hein. Après, c'est vrai que j'ai une jeune fille. J'ai une jeune fille qui est vraiment dans la lumière, qui est guidée. Hein. J'ai l'impression aussi qu'il y a des papiers, hein, pour cette jeune fille par rapport au travail, hein, des démarches à faire, des trucs à régler. Hein. Ouais. Oh punaise. Par rapport à cette jeune fille, il y a une autre femme aussi.
on parle qu'il va y avoir une sincérité, un attachement. Il y a des cadeaux qui arrivent. J'ai l'impression que par rapport à cette jeune fille, cette autre femme, elle a les cheveux foncés. J'ai l'impression que peut-être qu'elle va. J'ai un souci, moi, là, de mensonge entre ces deux personnes. Il y a quelqu'un qui est sur la sincérité, mais j'ai quelqu'un qui est sur le mensonge, sur un abus de quelque chose hein, par rapport à cette jeune fille. Oulala. Puis l'homme, j'ai l'impression que lui, on parle sur cet homme, il y a des mensonges. On parle qu'il y a un abus de sa confiance. Hein. Il y a aussi un abus par rapport à de l'argent. Hein. Mais pour moi, il est guidé, il est protégé. On parle d'un foyer, de sincérité dans ce foyer hein, par rapport à cette jeune fille. Il y a vraiment ce truc, on est sincère. Mais sur le foyer, il y a. Je sais pas, hein, il y a vraiment. Il y a des mensonges, il y a des abus de confiance. Et il y a un truc par rapport à de l'argent. Il y a aussi un déménagement qui arrive. Hein, dû à un lien, quelque chose, une addiction. Il y a vraiment ce truc, on change de maison. Et on parle de chance hein, par rapport au fait déjà aussi, le fait que je vous parlais de changement de domicile, de choses, des personnes qui sont un peu paumées. Pour moi, il y a la chance qui tourne, même par rapport aux mensonges, les abus. Voilà, le vent va tourner en faveur de cette jeune fille, mais je sais pas, je vois quelqu'un. C'est bof, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a les cheveux foncés. Ouais. Je vois une jeune fille qui a des soucis dans sa vie pro. Ouais, il y a ce truc un peu, on cherche un peu sa voie, tout ça, dans le travail. Pour moi, ça va aller. Elles sont guidées. Hein. Donc, elles sont guidées. Il y a aussi un truc aussi affectif. Hein. C'est pareil, un peu, c'est un peu un état général. Il y a même un peu par rapport à la. Un peu fatiguée, des choses comme ça. Mais pour moi, ça va aller. Puis je sais pas, j'ai l'impression, on parle de jeunes filles, elles sont un peu froides, un peu gelées en ce moment. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, comme si on avait envie de certaines choses, mais en même temps on est froide, quoi. Bon. Mais pour moi, ça arrive. Hein. C'est un peu, on n'est pas chaud chaude, vous voyez. Bon. Je sais pas comment vous expliquer, mais on parle de ça. Hein. Ouais, il y a un homme aussi hein, par rapport à ces jeunes femmes. Il y a une sincérité avec un homme, mais on est un peu froide, on n'est pas très, je sais pas, il y a un peu une froideur. Hein, on n'est pas très très chaude, pas très enflammée. Voilà, hein, mais il y a une sincérité. Bon, et je vois une fête, il va y avoir une fête. Ouais, il y a une fête, il y a un truc. Hein. Sur le sentimental pour ces jeunes filles, c'est très bien. Ouais, et pour moi, ils communiquent tout ça, mais c'est un peu froid. Hein, mais pourtant, il y a une sincérité, ça va aller.
je sais pas, j'ai l'impression que cet homme-là se pose des questions. Je sais pas, on parle de communication, c'est comme s'il y avait toujours des problèmes, c'est comme si lui, c'est pas possible, y a cette fille, elle a toujours un peu de travers, un coup, c'est, je sais pas, comme si. Je sais pas, toujours un problème dans la communication, dans les échanges, et elle est froide, et un coup c'est ouais, tu comprends, c'est lié, comme s'il parlait de choses affectives, le travail, la froideur, voyez, bon, bref, on parle de trucs, voyez, comme ça, bon, bref. Mais moi, pour moi, ça va aller, les échanges vont virer. Vous voyez, c'est super froid, ben, ça va virer au soleil, à la chaleur, communication beaucoup plus ensoleillée, d'abondance, quoi. Moi, là aussi, j'ai. J'ai aussi un autre homme qui a quelque chose à régler au niveau de la santé. Hein. Je pense que il y a quelqu'un qui vous dit pas réellement aussi ses soucis de santé, hein. Ou qui vous dira pas, hein. Ça tout dépend si vous connaissez ou pas encore la personne, parce que moi je vois quelqu'un qui arrive de toute façon, il y a, et puis je vous disais, il y a des ouvertures, des affinités, il y a des changements de domicile, il y a un changement aussi pour plus d'abondance, hein, dans le foyer. On va sortir de cette froideur en fait, hein. De cette froideur. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se régler au niveau pro, plus équilibré. Il y a l'abondance qui revient à vous dans le travail. On parle de cadeaux. Il va avoir des écrits, enfin des écrits, des démarches aussi dans le travail, des papiers. On parle aussi d'un nouveau départ, une relation, je vous dis, équilibrée entre vous et une personne. Vous allez laisser beaucoup de choses derrière, un nouveau départ. Je sais pas, j'ai l'impression qu'au niveau d'une relation, il y a quelqu'un qui va aider quelqu'un, vous voyez, dans le travail, voilà. J'ai aussi cet homme par rapport à cette jeune fille, comme si il allait. Alors, comme si une colère, une agressivité. Comme s'il avait l'impression, ouais, toujours d'être retardé dans des décisions par rapport à cette jeune fille. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression aussi qu'il y a de la peine, qui je sais pas, il a l'air d'avoir de la peine, il est en colère. Je sais pas, il a l'impression que. Je vais pas dire qu'on s'en fout de lui, hein, mais. Comme si la jeune fille, ben, elle avait toujours été trop occupée, elle a trop de choses à faire. Voilà. Ouais, je suis trop de trucs, tu comprends. Voilà. J'ai l'impression que. Il y a. Attendez. Toi, un homme. Un autre. Un autre, et lui, j'ai l'impression que on parle que d'une hésitation due à des soucis de santé. Alors, soit c'est quelqu'un qui est déjà là dans votre vie, soit c'est une nouvelle rencontre. Mais il y a une hésitation, j'ai l'impression, par rapport à des ennuis de santé. J'ai l'impression que cette personne vous dira pas réellement ses soucis de santé. Pour moi, il y a aussi quelque chose
une hésitation de par rapport à une personne. Donc, je vois deux personnes. Je vois une femme qui a les cheveux très foncés, une autre qui a les cheveux un peu plus sur le clair. Il y a une hésitation. Il y a comme si il y avait quelqu'un qui hésitait, qui avait de la peine par rapport à des conversations, par rapport à ces deux personnes-là. Il y a quelqu'un qui, par rapport à quelqu'un qui a les cheveux très foncés, il y a une hésitation par rapport à cette personne qui d'ailleurs cause pour moi énormément de peine à une personne ou va causer. Il y a une hésitation et c'est quelqu'un en plus qui cause beaucoup de peine à une personne. C'est quelqu'un pour moi qui ment à un homme, qui abuse de la confiance, des sentiments, de la sincérité d'un homme. Il y a aussi une hésitation de la part d'un homme concernant cette femme et de l'argent. Mais après, ça peut être interchangeable. Il y a aussi une hésitation par rapport à l'autre femme où il y aura. Parce qu'on hésite par rapport à l'autre personne, parce qu'il y a quelqu'un qui se dit, ouais, mais il va avoir de la médisance, ça va parler dans la famille. Il va y avoir, j'ai peur qu'elle fasse aussi, ouais, des coups bas à l'autre personne. Voilà, des choses comme ça. Du coup, il y a vraiment ce truc, beaucoup d'hésitation. À prendre des décisions. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir dû à des disputes. Je vois des disputes dans, ça peut être dans de la famille. Je vois des disputes. Je vois une dispute due à des mensonges d'une personne hein, aux cheveux très foncés, des mensonges, des abus de confiance, des tout ce que vous voulez. Bon. Voilà. Et moi, pour moi, on va sortir de cette hésitation. Hein. Bon. Je vois aussi une femme aux cheveux très foncés par rapport à une jeune fille. C'est pas top, hein. De toutes les façons, je vois des changements. Pour moi, on va sortir des hésitations. Hein. Je vois quelqu'un qui va signer aussi une signature. Hein. Je pense que c'est professionnel. Hein. Faut aussi une jeune fille qui, je pense aussi, va se diriger. Va faire des trucs, des démarches liées au travail hein, pour se diriger vers quelque chose de plus. Peut-être va faire aussi un truc créatif, une passion, vous voyez, voilà. Puis, alors l'autre, du coup, j'ai l'impression qu'il a l'impression, cet homme, par rapport à cette jeune femme, que il n'y a pas de place pour lui, quoi. Parce qu'il y a des choix à faire et voilà. Donc moi je vois vraiment des discussions. Là, hop, c'est les deux autres personnes, hein, c'est plus la jeune fille. Pour moi, il y a ce truc qui va avoir des discussions entre un homme et une personne qui a plutôt les cheveux foncés. On va parler pour savoir, essayer de voir plus clair sur une hésitation, vous voyez. Et pour moi, on va faire un choix. Il y a un choix. Il y a un changement. Ouais. Franchement, il y a un changement. On va sortir de. Parce que je vois quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui prend beaucoup de recul. Ben, face, je pense déjà à des disputes hein, où il y a beaucoup d'hésitation. Tout ça, ça va pas. Il y a de la peine.
y a quelqu'un qui a de la colère dans les discussions, pour moi, ça ne va pas. Voilà. Donc, je vois quelqu'un qui famille, ça peut être dans des couples aussi, mais moi, de toute façon, je vois une dispute arriver, des changements de domicile. Voilà. On va sortir aussi, je vois quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort, discuter. Il y a quelqu'un qui doit avoir aussi, je sais pas, je vois quelqu'un qui a des soucis de santé, ça peut être une addiction à des médicaments, quelqu'un de malade, mais voilà, il y a toujours des disputes. Hein. Et je vois vraiment une rupture, un changement de foyer. Je vois quelqu'un aussi qui va avoir vraiment de la chance. Par rapport à un homme pour moi qui a au moins 50 ans, mais ça peut être une femme. On va se poser des questions si ça vaut le coup ou pas, s'il n'y a pas une entourloupe à signer ça. Mais moi, je vois vraiment une réalisation professionnelle hein, par rapport à cette personne. Donc voilà. Donc après, je vois quelqu'un qui va penser énormément. Max, c'est quelqu'un qui a 30 ans. Pour moi, c'est un homme. Ça peut être un enfant, ça peut être un ado, mais Max, allez, voilà, 30 ans. Qui va penser à une relation sentimentale, vouloir un nouveau départ avec quelqu'un, hein, offrir quelque chose à une personne, sur une relation. Bon. J'ai l'impression aussi que la jeune fille, là, par rapport à l'autre, là, le jeune homme, là, le monsieur, là, et j'ai l'impression qu'elle, je sais pas, parce qu'on parle d'amis, vous voyez, d'amis, alors ça peut être une amitié, mais c'est ambigu, vous voyez, lui, il en peut plus, hein, bon. Donc là, pour moi, il y a vraiment l'homme, là, il est en colère. Hein, il est en colère, il attend une décision. Hein. Il attend une décision pour voir cette personne, pour moi. Ouais, j'ai vraiment ce truc d'une ville. Ouais, j'ai l'impression qu'il attend quelque chose. Hein. Bon, bref. Voilà. Donc voilà. Pour moi, il y a des choses qui arrivent, des choses qui vont bouger. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref. Donc voilà. Après, il faut se réveiller aussi. Voilà. Évidemment, il faut ce qu'on veut. Hein, je sais pas. Donc voilà. Eh ben, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Passez une bonne soirée. Bye bye.